après des galères, on a enfin trouvé le petit centre équestre perdu au milieu de nulle part. On se croit dans des tours mortels ou pas, Chérine? De ouf. La nuit, si je paniquerais. Ah, moi aussi. C'est hyper grand. Bon, c'est parti, on y va. Trop belle. Nos montures. J'ai l'impression d'être un petit porc-barbe qui va faire sa séance d'équitation. Je suis clairement habillée comme une cowgirl, les gars. Je surkiffe. Chérine aussi. Je vais tout passer, ma petite bande, mes boots. Et moi, je monte comme ça. J'ai jamais été aussi on fleek pour monter à cheval. Oui, c'est bon. Non, ils sont peu. Mais non, c'est parce que t'es basse. Je suis à deux dans mon poney. Ma mère et Chérine. J'étais grave stressée pour elle, mais ça, ma mère, elle gère tellement. Elle est trop forte. Chérine, c'est un peu plus une bolosse. Et en plus, nos chevaux, c'est des frères et sœurs. Kenza, tout se passe bien. Elle, c'est une professionnelle. C'était un peu la panique avant de monter, mais là, ça va un peu mieux. On a Kenza, la prof, devant aussi. Ça va monter. Ça va monter, ok. Regarde bien où tu vas. Oh non, mais je suis trop fatiguée, regardez-moi ces paysages. C'est hyper beau. Thank you.
Raphaël, il a grave envie d'aller à fond. Là. Non, pas. Je suis désolée, Casa. Voilà. Du coup, on est en bas. Et franchement, ma mère et ma soeur, ils se débrouillent plutôt pas mal. Hein. Je suis plutôt fière. Elles ne foutent pas trop la honte. Coucou, petite pause d'une minute pour vous expliquer la story time de cette chute quand même. Alors comme le début de la balade, on était tranquillement au pas dans la forêt. Pour vous dire, ma sœur est une grande paniquée de l'équitation. Même moi quand je suis à cheval ou à pied à côté d'un cheval, enfin en panique des chevaux, elle me répète toujours « fais attention, passe pas trop derrière ». Si je tombe, elle me dit « Kenza, éloigne-toi parce que le cheval il peut t'écraser ». Enfin voilà un peu son état d'esprit. Donc elle est pas très rassurée. Après 1h30 de balade, elle était bien, elle était détendue. Et on arrive dans un chemin où il y avait beaucoup de branches au sol. Et je sais pas ce qui s'est passé, elle a dû s'accrocher aux rênes ou je sais pas, son cheval il s'endormait. Il a trébuché. Et elle, ce qu'elle a fait, dans sa tête, elle s'est déjà imaginé sa chute, se faire écraser par le cheval alors qu'elle était encore dessus. Hein. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est littéralement jetée de son cheval, cette psychopathe. Dans sa tête, elle s'est imaginée mes chutes à moi quand je saute à l'obstacle et tout ça. Elle s'est dit, faut que je m'éloigne de lui avant qu'il marche dessus. Et elle s'est jetée, elle est tombée sur la tête. Sur le coup, j'ai vraiment, vraiment flippé. Bon, fidèle à moi-même, je rigole toujours quand il y a une chute, même si c'est grave. Bien évidemment, avant de rigoler comme une folle, le cheval va bien, la cavalière va bien. Mais c'était le fou rire juste après, on n'en pouvait plus. Tout le monde rigolait et tout, ils n'en pouvaient plus de nous. Donc, conclusion, je ne sais pas si c'était un très bon cadeau d'anniversaire. Bisous Chérine. Chérine vient de nous faire une chute les gars. J'ai sali ma chemise blanche. Elle a crié. Ah, je suis tombée. Non non c'est moi. Mais c'est pour rigoler, désolée. Non. Donc voilà. Heureusement que je t'ai pas tiré à Sam Shield. Ah ouais. Mais j'ai vu que c'était quand même ralenti, que c'était... C'était ridicule, non non, ralenti en fait. Hey, j'ai l'impression que j'ai vu. Elle a grave, je vous zoomais une feuille dans la bande. T'es sérieuse? C'est bon, maintenant Chérine, elle a trop peur des bouts de bois. Elle pense à un obstacle. Chérine, tu vas sauter un obstacle là. On a eu des chevaux, c'est des frères et sœurs. T'as vu, c'est le dessin, trop chaud. On sait qu'il y en a qui les ramènent parce que moi je suis pas capable de les ramener. Comme moi, là c'est très beau quand tu m'avais fait ma vidéo. Alors, Chérine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ouf! Oh la pauvre, arrête de l'embêter!